Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron 4, donc avec mes camarades Serikai et tout le monde et les Girac. Yo yo yo. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Bang. Exactement, toi d'anti-air, c'est où l'anti-tank? On va faire du bangage. Mais j'ai fait la recherche. Ah non, je suis en train de rechercher l'anti-tank, c'est vrai qu'on est en 1944, je connais pas l'anti-tank. J'ai pas recherché Night Vision non plus. Bon, je l'ai déjà. Moi aussi je suis en train de le faire. En fait moi concrètement je sais faire des armes anti-tank pour mon infanterie, mais je sais pas mettre ça sur des canons quoi. C'est-à-dire que les mecs ils ont des lance-roquettes sur eux mais ils sont pas dit tiens si on les mettait sur des canons. Bande de blaireaux va. Voilà. French technology. Hop. Voilà. Là-bas, j'ai pris la presqu'île de je sais plus quoi, de Heimam. Blaireau. Tiens, j'ai récupéré un aéroport si tu veux à Gonzu. Et un autre à Gonzi. Invasion navale ? Ah, ils veulent envahir Macao. Oh, c'est mignon. Gonzu et Macao. Ouais, bah, qu'ils essayent. Hein. Mes sous-marins. Moi, je leur conseille de pas trop venir aider, hein. Conseil d'amis. Une anti-charge sauvage. Par où ils passent? Oh putain, ils font le tour de la Terre mes sous-marins pour venir là-bas. Ouais, je vais les mettre autour du Japon, ce serait pas mal qu'on s'en occupe. Ah ouais, bande d'enculés, mais comme vous avancez trop vite! Putain! Bah c'est normal, papy, il fait des petits plans tout pourris, t'sais. Un gros plan bien dégueulasse et c'est bon, hein, ça avance tout seul. Hein. Ouais, des fois je te jure, j'ai des moments de solitude avec vous. Faut qu'on t'apprenne à jouer, hein. Moi, j'étais quand même à l'autre bout du monde, là. Allez, reconcentrez-vous sur le plan, bande de rats. Ok, on défait le plan avec lui. Hop, on met... Bataille de Guadalcanal, défaite. Ah, bravo. Il dit qu'on est à 4% à faveur des agresseurs seulement, ça m'étonne rien. À cause de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. New Zealand. Tiens, je vais faire une petite attaque de convoi autour de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi il me remet pas mes putains de sous-marins production? Non. Pour affecter un nouveau port, c'est CTRL-CLIC, hein. Ouais. Ouais, ah merde. Ils vont pas aller se mettre là-bas, ils vont aller escadron sous-marin. Voilà. Ah ouais, d'accord, j'ai... Ah oui, j'ai en produit sous-marin. J'ai 15, 30, 35, 36 usines qui construisent des sous-marins. Yalla. Ça sous-marine, hein, là. Et moi je vais en pause. Ah oui, c'est quoi ça, Macao? Oui, c'est à toi qui a marré. C'est moi qui m'en pause. Oh ouais. Bon, désolé. Il me faut ça absolument. Oh putain! Donc j'ai fini toutes mes infrastructures, j'ai l'impression, au Canada. Non, mais... Vas-y, ouais. Ouais.
Radar station, ouais. Anti-air. Ah ouais, j'ai tout construit ce qu'il y avait à construire au Canada. Les avions? De quoi? Tu touches aux avions, sérieux? Ouais, c'est pour ça. Bah, faut être en pause en fait quand on touche aux avions. Mais en pause, ouais. Je faisais? J'étais en pause? Non, on est en train de jouer là. Mais tout à l'heure, quand j'ai mis la pause, c'est sûr parce que j'ai mis la pause que j'ai touché. C'est parce que j'ai touché. Ouais, mais là ça lagging encore. Ah. Ce jeu a un gros défaut quand même. Ah, mais ça, ouais, mais il est connu comme bug. Hein. Mais c'est. Voilà, c'est chiant parce que dès que tu joues. Pour ça, la partie en multi. Des fois, je vous dis, j'ai peur. Hein. Quand on va être 5 joueurs en. Ouais, va falloir qu'on y ait très lentement, ça va être chiant. Bah, quand on avait fait la partie avec Jess, c'était un peu. C'était un peu vrillesque. Hein. Ouais, ça a tenu quand même malgré tout sur cette série. Hein. Ouais, là, c'est. Ça a bien tenu. Ah ouais, putain, le Japon, il reste plus grand chose sur le en Chine. Ah, c'est Eastern China. Eastern China, quels sont les aeroports? Ah, je connaissais pas ça. Nanning. Shanghai! Shanghai, c'est les Allemands qui l'ont. Ah, c'est bien ça, putain. Nanning et Tonkin. Tonkin, il est loin. Ah, c'est trop bien ça. Donc là, est-ce que je peux faire une réaffectation? Affectation là-bas. Et ensuite, est-ce que je peux. Putain, ah ouais, c'est vraiment bien fait ça. Le truc en fait, quand t'es sur l'interface d'avion, tu prends par exemple tes avions qui sont trop loin, tu les sélectionnes, tu leur donnes mission, par exemple Eastern China, je fais un clic droit sur Shanghai et il se réaffecte automatiquement sur oui, Shanghai. C'est ça qui est génial. Enfin, de ce côté-là, c'est vraiment bien foutu. C'est juste que c'est pas pratique dans le sens où t'es obligé d'ouvrir vraiment un panneau spécifique. Ouais, ouais. On est en pause là. Bah oui, on sait, t'as fini toi? Oui. C'est bon, ça va. Peut-être pas 4. Oh. Ah, mais c'est que McRinter il perd. Quoi? Non, je perds pas. C'est possible que McRinter perde. Regarde, bah c'est le seul en rouge. Hein. Non, c'est dans la tête. Hein? Ah mince, j'ai plein de zones occupées. 25 février 1944. Ça lag. Je vais construire d'autres bases aériennes aussi au Canada. Ouais. Qu'on puisse venir tous avec nos avions. Coco, si nous. Ah oui, non, mais je suis à court de ressources, ouais, c'est pour ça. Voilà, je nous prépare le terrain pour là-haut. 3. Bon. Là-bas. Construction. Base aérienne. J'en ai une qui est niveau 5. On va la booster un peu. 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. Ouais, 3 bases aériennes niveau 10. Suffisant, je pense. Ouais, je pense. On a un tout petit peu la suprématie aérienne, quoi. C'est dingue à quel point on progresse lentement en Australie. C'est atroce. Ah, ça donne pas envie d'y aller, hein. Non, ça c'est sûr, ça donne pas envie d'y aller. Ah bah j'ai trouvé des gnacks en Australie. Y'a quoi? Des japonais en Australie. Oh, tu m'étonnes, t'avais bien des Australiens au Canada et des Néo-Zélandais au Canada quoi. C'est parfaitement logique hein. T'as recherché les troupes de marine au fait? Pas des masses non. Non mais moi j'ai pas cherché du tout hein, les troupes de marine hein. Non plus. Vu que j'aime pas les troupes de marine, j'y recherche même pas. Bon, j'annonce, moi il me faut du pétrole, les gars. Où est-ce qu'il y en a? C'est ah, ouais, pas mal. La 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 la. Eh, Légis, sérieux, enlève-toi du, non, du non. Marché fermé. La guerre contre les États-Unis, tu la feras sans moi. Hein. Non. Bah, moi je m'en fous des États-Unis. Hein.
Tu veux pas voir ton guest Bah moi je m'en fiche, hein. J'ai déjà toute la partie de la Chine, moi ça me va parfaitement. Non mais je vais enlever, je vais mettre en... Au moins minimum quoi. En limited export. Non mais j'en pouvais plus parce que j'avais vraiment aucune usine, je pouvais rien construire. Là maintenant depuis j'ai le temps de construire plein de trucs. Tu m'étonnes. Moi y'a que le pétrole, hein. Le pétrole en fait j'en importe 160... Ouais, j'en importe beaucoup, 176. Le pétrole moi j'en ai 300 en réserve. Je l'importe, je sais pas pourquoi. J'en ai assez maintenant. Ouais mais en fait y'a que le pétrole, tout le reste je suis en mode bien. Recherche. Oh putain. Vision de nuit, bientôt. Dans deux jours. Le ME-163 Comète. T'es passé en chasseur? Oh non, putain. C'est un missile. C'est le précurseur des missiles. Ah tiens, c'est, je me suis pris mon débarque. Je me suis pris mon débarquement là-bas. Ah. Night Vision. Ok. J'ai développé les moteurs à réaction pour mes avions. C'est où? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a... Attends, est-ce qu'il y a une différence entre le motorisé et le mécanisé? Le mécanisé, c'est une évolution du motorisé? Non, c'est pas la même chose. C'est pas évolution. C'est un truc différent. D'accord. Bon, va falloir que je m'occupe de ça. Là, il y a une petite poussée là-bas. Moi, c'est ça que je les fais pas en fait. Mécanisé, j'y fais pas. Ça fait une ligne de production en plus. Là, je suis en train. Je m'en rends compte en fait, j'ai une armée qui est en train de se branler les couilles au milieu de la poche du sud. Et je me dis, ah bah tiens, si je la faisais monter au nord, je coupe le truc en deux et on va sur une petite nasse avec plein de troupes. Parce que vu que je me suis pris un débarquement dans le dos là. Ce qui est pas. Ce qui est... j'avais plaisir. Ouais mais bon c'est pas grave, je vais prendre la moitié de mes blindés là, hop, les blindés. Ligne de front. Là. La moitié que j'affecte là. Émission, vous me repoussez ça par là. Voilà. On exécute cet ordre là, voilà. Je suis pas con, j'avais bien une armée au nord là qui était censée débarquer depuis la Corée. Elle est où? Je sais pas. C'est bon, les gilets, t'es revenu? Comment ça, j'ai jamais parti? Non, mais ah oui, c'est les avions, c'est les avions. Ah. Pardon. Toujours chance, truc là. Pas grave. Ah, j'étais mais pas de réaffecter ceux de Central Malaysia qui servent plus à rien. Il faut absolument que j'agrandisse l'aéroport en fait pour pouvoir commencer à bombarder Tokyo. Pas bombarder. Avoir la supériorité. Moi je suis en train de faire un putain de préparation pour la guerre au Canada là. Infrastructure, port, aéroport. Les Américains disent ouais, cool, vous vous installez. Ouais, ouais, t'inquiète, on s'installe, bouge pas. Oh, cool, tu ramènes des troupes. Ouais, ouais, t'inquiète, on ramène des troupes. C'est bon, t'as fini? Ouais, ouais, vas-y, je peux lancer. Voilà, t'as pris la place là-bas, nickel. Voilà, on est en train de les épiques défoncer. Une petite poche qui se forme, et puis... C'est compliqué parce qu'il se stack vraiment beaucoup. Ouais, mais là t'inquiète. On les laisse faire, mais de toute façon ils se stack mais ils ont plus de rien d'organisation. Ils ont plus rien. Ouais, donc là ils... C'est scandaleux. Moi j'ai 24 divisions qui sont là, pour tout ça, voilà.
Et après mes 24 divisions, je vais les faire repousser l'assaut maritime. Voilà, ils tombent dans tous les sens quoi, les pauvres. Je tape plus fort que en soft, plus fort que en hard et j'ai plus de défense que alors que je suis en attaque. Non, c'est une division en fait que j'avais envoyé, ils sont pas fait en fait pulvériser lorsqu'elles ont fait le débarquement automatique. Possible. Ouais, pareil, un bateau, enfin des navires. Non, même d'ailleurs en débarquant et puis bon bah qu'elles se sont fait défoncer à l'arrivée. Possible. Voilà, mes sous-marins. Où est-ce qu'on a une base navale? Ben, je vais leur mettre mission. Comète aperçu. Search and destroy. Là, là, et là. J'ai mis mes sous-marins pour chasser et détruire tout ce qui traîne autour du Japon. Putain, je me prends un double débarquement, font chier. Ils l'ont vu depuis longtemps en plus. Ouf, 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 ouf. Oh les Japs là, je les ai. Oh, j'aurais mis cher avec les sous-marins. Putain, c'est bon, pour ça que j'aime trop les sous-marins. J'adore les sous-marins. Tu sais quand ils attaquent les convois. Bon, là-bas. Ils peuvent rien faire. Ah, voilà. Toute ma flotte a été coulée sauf les sous-marins de Nitz. Oui, ils se portent très très bien. Qu'est-ce qu'il faut tous là-bas, mais... Arrêtez d'aller là-bas. La ligne de front. Tout ici. Se passe ici. Voilà, il me les a. Oh, bon, il me les redispatche automatiquement. Putain, le truc, je me suis pris. Ah, les mecs, ils m'ont fait 3 débarquements. Ouais. Et j'ai repoussé les 3. Enfin, j'en ai repoussé. 1, 2. Ah merde, il y a ça aussi. Hop, on va prendre ça. Merde, Ligi, il arrive avant moi à Fujian. L'enculé. Oh, c'est beau. Regardez-moi ce bordel. T'as un bout d'Italie, un bout d'Allemagne, un bout de France. Yalla. C'est pire que le partage de l'Allemagne. Ah ouais, là c'est. RDR, FA et on sait. Là c'est le truc typique. C'est le premier qui bande quand cul l'autre. Là c'est gangbang. Hein. Ok. Ici. Pécor. Offensive line. Hop. Là-bas, l'attaque, ouais. On va voir. Ouais, on y est presque. Il a pas capitulé le chinois encore? Ah non, c'est le japonais, je suis con. Ouais. Et là, vu qu'on est des grands humains, libère le chinois! Non, c'est une blague. Ouais, bien sûr. Mais lol. Va te faire têter les yeux, le Shintok. Va bouffer du riz cantonné. Va là-bas, toi, où t'es touché la bite. Il va pas dire Papouasie, c'est con d'Australien. Après, je sais pas où je mets toutes mes troupes. Allez, naval invasion à Guangzhouzhong. Bah, c'est pas grave, mon gars. Refais. J'ai peut-être rapatrié mes. J'aime bien. Les 600 bombardés torpilleurs, il y a autour du Japon. Faut gagner du tiers quand même, sa putain d'île. Ouais, mais de toute façon, faut qu'on ait. Oui, de toute façon, il lancera les. Ouais, j'allais dire, il va lancer les. Comment ça s'appelle? Kamikaze. Non, pas les kamikaze, il va lancer les. Merde. Ah, comment ça s'appelle ces conneries? Les. Ah! Les invasions navales, il lance du Japon, je pense. Ouais, mais sur l'envahi avant.
Et ding ding de fin d'épisode. Ding ding de fin d'épisode, exactement. On n'aurait pas pu mieux le dire. Y'a rien de plus ? On clique. Comment ça, y'a rien de plus ? Non, y'a rien de plus. Il se tait, voilà. Et tout. Hop, on met l'en pause, voilà déjà. Quel ordre n'a pas de division ? Mais non. Ah, celui-là d'ordre. Voilà, la exécution du plan. Ok, voilà, bon, bah sur ce, on arrête les gens. Oui. Quand même. On est gentils, mais pas trop. Oui, attends, ils ont rêvé. Ouais, hein. Sérieux. Ouais, ouais, arrêtez là. Ouais, c'est oh. Bon, les épisodes de 25 minutes. Là, on vous fait des trucs. On va, vous allez voir les épisodes. On sera en février 2019. Nous, on aura lancé 3 autres séries. On sera en vacances avec votre argent. Hein. un peu ça en plus. Enfin bon, moi ce mois-ci, théoriquement, j'ai gagné 5 euros. 5 euros, je peux aller en vacances où ? Oh, je peux descendre à Grenoble. Ah, si je passe par National, ouais, comme ça j'aurais pas de péage, mais ça me paraît à l'essence. Ouais, ouais, l'essence, ouais, 1 euro d'essence, super. Bon, allez, sur ce, trêve de conneries, parce qu'on prend du temps d'enregistrement. Allez, bisous les gens, à plus. Salut tout le monde. Ciao.